Yo les jeunes, c'est Ipex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un DLC gratuit du jeu Alphas Nations at War. J'ai nommé Alphas Frontline World War 1. Donc on oublie l'époque napoléonienne et on se retrouve lors de la première guerre mondiale. Et pour avoir fait quelques parties dessus lors d'un live, je peux vous dire que c'est plutôt réussi, même si c'est vrai que le gameplay de Alphas est plus fait pour des combats moins dynamiques. Mais franchement, je me suis bien amusé dessus, surtout que l'ambiance est plutôt réussie, comme vous pourrez le voir dans cette vidéo. Je suis en compagnie de Capcrisax et nous jouons du côté des alliés. Et si vous aussi voulez jouer à ce mode et que vous possédez déjà le jeu, vous n'avez rien d'autre à faire que de trouver un serveur avec ce mode de jeu, il s'appelle Frontline. Et maintenant je vous laisse regarder cette vidéo en espérant qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu. C'est pas grand chose pour vous, mais ça aide beaucoup la chaîne à grandir. Bientôt les 30 000 abonnés. Bon visionnage. J'adore le drapeau, regarde. Américain, français, britannique sur le drapeau. C'est un drapeau de trination. C'est ça. Ah là, c'est des lignes et tout, là. Ça, c'est stylé. Attention à l'artillerie là. Ah oui, il y a de la mitraille et tout. Eh, l'arbre il est en feu, Crisax. Ouais, ouais, je suis en train de voir ça là. On dirait qu'on est sur. Mince. Icarus. Oh putain, j'ai pris les hauteurs là. Oh, je vais les défoncer. Ou pas. Je peux le transférer de mon collègue. Bah moi aussi j'ai trop de gars à soigner que. Ah non. T'es pour mettre là. Donc oui, ça c'est un point de spawn, faut qu'on teste hein. Ouais, je viens de spawn là. Ah ok, d'accord. Tu fais infrared et tu sais sauf des feux de camp en fait. Et à chaque fois il rajoute des feux de camp et tu peux spawn dessus. Mais. Ça a de la gueule de loin le champ de bataille là. Avec les flammes et tout là, c'est pas mal. Ouais, je trouve ça un peu plein, mais sinon ça va. Alors attends, M. Tu fais quoi? Tu choisis le camp des squads, c'est ça? Moi quand je fais échec, tu vois, non, apparaître et t'as plusieurs petits feux de camp qui se construisent petit à petit là. Mais bon, la plupart des feux de camp ils sont faciles remplis donc il faut avoir la chance de tomber sur un sol. Ouais, les gens ils marchent à. Ils courent pas, ils ont envie de mourir. Hein. Ils sont dans le New Island, là ils marchent tranquille. Putain, je blesse les mecs mais j'arrive pas à les tuer. Ah, quand même. Ça arrive sur lui, hein, c'est proche. Ouais, ouais, je les vois. C'est chaud là. Oh, on a des gars qui ont fait des DMG et tout, c'est wow. Un médecin. Ah, j'ai pris une grenade. Là, j'avoue, c'est stylé là. Là, j'avoue, ça pète. T'es en train de nous flanquer à droite. Mode DMG à gauche, donc ça va, il arrive pas trop. Grenade. Merci, médecin. On tente un rush baïonnette ou quoi? Bah non. Non. Et l'ambiance elle est stylée, j'aime bien. Oh, doucement quand tu tires. Oh, les traçantes qui passent juste à côté de mes jambes. Oh, on me dit qu'on a des snoops en fait. Bon, ça, on a récupéré bravo. Oh, GG. Moi je suis sur le plan droit là. Attends, je vais tester la grenade, on va là. Hop. Il
baïonnette. C'est bon, ils sont morts. Yes. Allez, venez les gars, venez, venez, venez. Oh, on est pas mal là. Attention, grenade. Grenade, grenade, grenade. Ah putain, mais on peut pas courir. On peut pas sprinter. Une balle, recharge, recharge vite soldat. Oh, je vais me faire rush. J'ai pas le temps, moi, je le soigne tout le temps là. À gauche, à droite, partout là. Là, je suis à gauche, là, tout à gauche, sur la MG. Oh, la MG, elle est pas mal. Putain, les grenades, c'est chaud. Hein. Je crois qu'elle est restée sur le pont. Hein. Ah, bien vu, bien vu, bien vu. Ah, enfin, j'en ai eu un à la grenade. Il y a tellement de monde qui rush sur B là. Oh non. Ok, je peux bouger de là. Attention. Ok, c'est bon, il est mort. Oh, je suis mauvais, putain. Hop, un petit coup de baïonnette. Hop, un deuxième coup de baïonnette. C'est parti, j'y vais. C'est ça que j'ai pas le temps. Je fonce chez eux avec ta baïonnette là. J'arrive même pas à la mettre moi la mienne. Oh merde, il a le temps de rush, de réarmer et de me tirer dessus, ce bâtard. Le cac, rien de mieux. Mais oui, Xeno. Le cac dans les tranchées, c'est la vie. Bon, là, ils étaient un peu trop pilotes. Il a eu le temps de réarmer. Hein. Et en fait, dans All Fast, quand chacun rate son tir là, à l'époque napoléolienne, et ben en fait, t'as terminé au corps à corps, c'est ça qui est sympa quoi. Ok, il y a du monde en bas là. C'est parti pour une grosse grenade. Bouge de là, toi. Hop. Oh, élimination multiple, Chris Axe. Y'a du monde en bas. Oh là. Faut peut-être que je recharge. C'est Beyond the Wire low cost. Ouais, exact. Hey, il a pris un drapeau Je sais pas à quoi c'est ça vraiment. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Peut-être que ça... après, spawn, ou je sais pas. Peut-être que c'est un bonus. Ouais, comme les musiciens. Et je vais sur C, hein, je vais sur C. Ah ouais, chaud, moi je suis même pas arrivé sur B là. Il faut y aller. Ouais. Ah merde. Moi aussi j'ai des budgets. Oh putain, ils vont attaquer B. Bon bah, c'est galère pour C. Hein. Ah mais je suis sur C moi. Oh mais non, tu vois la grenade elle a tapé la caisse devant là. Oh, ah, du coup je vais essayer d'aller sur C. Mais ils essaient de reprendre B, est-ce qu'ils peuvent? Ouais, je pense qu'ils peuvent. Bah ouais, du coup ici ils sont derrière. Ouais. Ah, ils ont repris C, y a ça pas y est. De... Il n'y a pas d'ordre. Ouais, il n'y a pas de point à suivre comme sur Squad et autres quoi. Ils ont repris C, hein. Mince, ouais. On y retourne là. Oui, je veux pas. Le problème, c'est que je peux spawn là. Dans le champ.
Merde, j'ai pas vu lui. Ah non, je crois que c'était un... un ennemi. Hop, on tente la grenade là. Je sens bien, je sais pas pourquoi. C'est chiant, les points spawn, ça te donne pas les infos, tu vois, spawn. Bah ouais, ça te donne des points spawn. Exactement. Je tournais pour rien et en fait, j'étais à côté, quoi. J'ai mis 10 minutes à comprendre. Viens, viens me soigner, toi, s'il te plaît. Riker. Merci. Merci, merci. Les trucs qui tombent là, ça fait des genres de flash là, c'est énorme. Aïe, aïe, aïe. Oui, merde. Il passe sur le... le flanc droit, notre flanc droit de C pour aller à B. Oh la vache. Le flanc gauche aussi, ouais. On a perdu encore là, celle-ci. Hein. Mmh. Mais on s'éclate, ouais. En tout cas. Moi, j'aime bien cette map. Oh, j'ai vu un Pizza High Boys à la grenade. Allez, hop. Il y a l'air d'avoir du monde sur la gauche, là. Oh putain, j'en ai eu qu'un la baïonnette, il y avait trois mecs. Et la grenade. Ah oh, putain, Bex. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Vite, on recharge. Ah, c'est des obus qui tombent par terre et ça explose à la 5 secondes. Après, ouais, 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 c'est ça, exact. C'est des obus chronométrés, quoi. Ingénieur soutien, tiens, je vais tester, c'est quoi? Ah là 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 là, bien compliqué hein. C'est la loose les amis, c'est la loose, bah oui, bah oui. Mais c'était sympa, j'ai bien aimé cette map. Voilà les amis, cette vidéo s'arrête ici et j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos sur ce mode de jeu ou tout simplement sur Holdfast Nations at War, faites-le moi savoir en laissant un message dans les commentaires ou autre. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, si elle est jeune.